Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera pas un vlog parce que mon chum et moi, on arrive des magasins et on a fait énormément d'achats. Énormément. Et ça nous a coûté cher, mais écoutez. On est allé à l'épicerie, on est allé à l'aubainerie, on est allé à plein de places. Mais c'est des achats qu'il nous fallait. Fait qu'on. Mais l'épicerie, on a un peu exagéré, je l'avoue. Tout simplement parce que on avait faim. On avait vraiment faim. Fait qu'on a fait notre épicerie, on a exagéré un peu beaucoup. Puis après, on est allé chercher un Haidou. Fait que je bois de la limonade, puis j'ai mis, rendu chez nous, de la grenadine avec du jus d'orange. C'est vraiment bon. La limonade, là, si je pouvais en boire, là, 50 fois par jour, j'en boirais 50 fois par jour. Là, les enfants sont à la garderie. Mon chum est allé se coucher vu qu'il travaille sa nuit. J'ai dit, va te coucher, puis moi, je vais ramasser. Et je vais filmer. Excusez, hein, je me regarde, là, mais je trouve que je fais dur. Je commence à avoir les cheveux sales en plus. Fait que c'est ça. Mon chum, il avait quasiment de la peine. Mais pas de la peine, là. Non, pas de la peine. Il était comme. Oh ouais, les gens, ils ont dit ça. J'étais comme. Hey, j'ai reçu des commentaires qui disaient que. Ouais, des fois, là, tu dis des choses sans réfléchir. C'est un vrai talent. Mais c'est vrai, mon chum, on l'aime de même, là. On l'aime de même, mais il est très maladroit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit on l'aime de même, il est juste maladroit. Mais oui, c'est vrai, il est maladroit, mais il est maladroit dans sa vie en général, là. Ça arrive souvent qu'il va lâcher des affaires, puis je vais être comme voir que t'as dit ça. Puis ça soit n'importe qui, là. On dirait que il est vraiment moins maladroit qu'avant, là. Il a plus un. Comment on dit ça? Un filtre. Il y a plus un filtre qu'avant. Beaucoup plus. Mais ça arrive souvent qu'il va lâcher de quoi. Puis genre, moi, je vais ressentir le malaise là, dans la pièce. Ça soit avec sa famille, ma famille, ses amis, mes amis. Je suis comme, oh mon Dieu, Maxime, t'as dit ça. Ça me rend mal à l'aise. Mais bon, il est comme ça. Je l'aime de même. Écoutez, ça fait son charme. On l'aime de même. Fait que je vais vous montrer mes achats. Mais il était pas fâché, il était pas triste, il était juste comme « Ah ouais, le monde a dit ça de moi! » Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que je vais vous montrer mes achats à l'aubainerie pour commencer. Ça a coûté cher, mais les enfants avaient quand même besoin de vêtements. Excusez. Ils avaient quand même besoin de vêtements moins chauds. Fait qu'on leur a trouvé plein d'affaires. Fait que je vais vous montrer. J'ai pris ces camisoles-là à Clara. Des petites camisoles à bretelles fines, là, si je me suis pas trompée. Oh non! Bon, eux autres sont comme ça, mais c'est pas grave. Eux autres sont comme ça, puis eux autres sont à bretelles fines de même. Fait que ça, j'ai pris un ensemble de pyjama. C'est comme un chandail, là, comme ça. Avec des petites shorts. Fait qu'elle va être bien. Cet été, là, c'est super léger. Fait que j'ai pris ça. J'ai pris un autre ensemble en mauve. Comme ça. C'est comme des petits arcs-en-ciel. Fait que j'ai pris ça à Clara. excusez, hein, je dirais, j'ai de quoi dans la gorge sans arrêt. J'ai pris une petite robe aussi. Le mauve, ça y va vraiment bien, Clara. Avec une petite robe comme ça. Je sais pas si on peut voir les petits détails. Ça va être cute. J'ai pris des petites shorts noirs comme ça. Je sais pas si, j'ai l'impression que ça va être un petit peu grand. Ma fille est faite comme. Elle est faite mince là. Et ça là, quand j'ai vu ça, j'étais comme. Oh, c'est trop beau! C'est comme une jupe avec des petites fleurs comme ça. Puis, il y a des shorts dedans. Fait que c'est pratique. Ensuite, hey, je m'excuse. J'ai pris un ensemble de robes comme ça, là. Ça va faire vraiment la job, là.
C'est super léger. Fait qu'il y a des petites crèmes glacées, puis l'autre est juste rose. Comme ça. Ça va faire la job, puis elle va être bien là-dedans pour cet été. J'ai pris également. Je sors mes grands mots. Trois petits t-shirts comme ça. Fait qu'il y en a un qui c'est avec des petites fraises. Il y en a un autre qui est seulement comme rose de même. Puis il y en a un autre qui est comme avec des fraises, des framboises puis des oranges, on dirait là. Fait que j'ai pris ça. Ça aussi, j'ai un méga coup de cœur quand j'ai vu ça. Et voilà. J'ai pris des petites shorts comme ça. Qui a un beau chandail blanc ou noir là. C'est trop beau. Checker ça le motif. Oh mon dieu, comme ça. C'est trop beau! Fait que j'ai vu la robe pour adulte là, que moi j'aurais pu prendre, mais crème avec ma bédaine. Je pouvais pas prendre. Puis ça veut pas dire que l'année prochaine je vais l'aimer encore. T'sais. Fait que voilà. Jasmin! J'ai trouvé des petits pantalons beige comme ça. Il a vraiment léger, super confortable. Fait que j'ai pris ça à Jasmin. On y a pris aussi un ensemble de trois chandails. Fait qu'un avec une glace, là. Un chandail noir, tout simplement. Il y en avait besoin d'un, en plus. Puis l'autre, c'est comme avec des petites crèmes glacées, puis tout ça, là. Et j'ai pris ça à mon petit Jas. J'ai pris aussi un ensemble. C'est une pièce, dans le fond, là. Il va être vraiment bien, là, cet été. Fait qu'il y en a un avec des petites crèmes glacées. Puis il y en a un avec... ben juste noir avec des petits boutons. Ensuite, le reste c'est pour le troisième petit bébé qui va s'en venir. Puis c'est dur parce que hey, j'aimerais ça avoir de l'aide, s'il vous plaît. Si vous avez eu des bébés qui sont nés fin juillet à août, moi je suis du mi-août. J'aimerais ça accoucher fin juillet. Mais tu sais, comme dans ces environs-là, dites-moi donc, ils mettent quoi les bébés qui sortent en août de l'hôpital? Et je sais pas, on dirait, fait que là, j'ai pris des vêtements comme plus chauds et plus grands, tu sais, qu'ils vont faire durant l'hiver. Mais j'ai quasiment rien, là, tu sais, à sa sortie d'hôpital, je sais pas quoi prendre. Fait que bref, j'ai pris un petit pyjama 3 mois comme ça. C'était dans les rabais. Ouais, c'est tout dans les rabais ce que j'ai pris. Fait que, tu sais, lui, il revenait à 10$. Le petit pyjama, je l'ai pris dans le 3 mois. 3 mois, tu sais, 3 mois à août, septembre, octobre, novembre. On va être à peu près dans le novembre. À moins que ce soit un gros bébé, puis qu'il mette ça avant, mais tu sais, c'est pas trop chaud. Fait que je me dis, s'il met ça avant novembre, au moins, en tout cas. j'ai pris ça aussi, ça soit cadeau à ma mère que je vais donner à la fête des mères. Mais c'est pas à l'aubainerie, c'est, j'ai pris ça à une place où ils font de la coiffure, qui vendent des produits et tout ça. J'ai acheté ce pyjama-là dans le 6 mois, fait qu'on va être rendu à l'hiver. Fait que c'est full doux, avec des petites gaufres. On voit-tu? Ouais. Avec des petites gaufres comme ça. C'est trop beau! j'aime ça acheter des vêtements pour enfants. Mais sincèrement, j'étais comme, on dirait qu'il n'y avait rien que je voulais. Des vêtements de petit gars, on dirait, je trouve ça vraiment difficile. Ça avait été une petite fille, j'aurais pris le magasin complet. Je trouve ça vraiment plus facile, des vêtements de petite fille. Puis mon chum, ben, il a pris ça. Ce pyjama-là, dans le 6 mois, c'est comme le même tissu, là. Full épais, full doux. J'ai pris cet ensemble-là dans le 3 mois. Fait que ça, puis l'autre, c'est comme ça, des petits skates. J'ai pris cet ensemble-là dans le newborn, mais tu sais, comme, ça va être probablement les seuls que je vais prendre là, avant la naissance, parce que mon fils, il a jamais mis de newborn, et ma fille a mis du newborn pendant un bon, jusqu'à ses 3 mois quasiment, là. Fait que, au pire, tu sais, je vais avoir ces pyjamas-là, pour l'hôpital, avec du 0-3 mois, qui risque d'être grand un petit peu, mais
À ma sortie de l'hôpital, au pire, j'irai au magasin puis j'irai chercher du newborn s'il faut du newborn. Mais je pense qu'il m'en reste là, à Jasmine aussi. Fait que j'ai pris un petit pyjama comme ça, puis un autre bleu, comme ça. Puis finalement, j'ai pris un petit, petit pantalon, et il était 5$ là. C'est un 3-6 mois. Fait qu'un petit jogging de même. Fait que ça va être parfait. Puis j'ai pris une carte cadeau. Le bainerie à ma grand-mère. Elle dit qu'elle a besoin d'aller se chercher du linge. Puis oui, je donne un cadeau à la fête des mères à ma grand-mère. Parce que pour moi, ma grand-mère, c'est comme ma mère. Là. C'est... Moi, j'ai deux mères là, dans ma tête. Là. Parce que moi, ma mère, elle m'a eu à 16 ans. Et j'ai habité très longtemps. Ben, très longtemps. Pas si longtemps que ça, mais j'ai habité chez mes grands-parents. Fait que mes grands-parents, je suis extrêmement proche. Fait que je vais montrer que c'est une bonne maman, bonne mamie, une bonne grand-mamie aussi, parce que les grands-mamies, mes enfants. Fait que je fais des cadeaux à chaque année pour la fête des mères. Mon grand-père se donne un cadeau aussi pour la fête des pères. Ok, ouais. Je suis bien gaga ces affaires-là. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on prend? Bon, on est allé dans... Ah! J'ai trouvé ça aussi à la bainerie. Cette banque-là. Oh! Cette petite banque-là, maudit, on voit pas grand-chose. Elle est belle, hein? C'est comme une crème glacée. Puis, Clara... Elle avait brisé sa banque la dernière fois. Elle était comme en vitre. Je sens qu'elle n'est pas en vitre, mais j'ai pas ouvert le paquet. Ah! Oh. Fait qu'elle va pouvoir mettre son argent dedans. Elle a plein d'argent. Ah oh, oui, elle est en vitre, mais tu sais comme... Elle est rendue plus vieille, là. J'ai ça. C'est trop beau! Elle met son argent ici, puis on la sort en dessous, évidemment. Là, vous savez comment ça marche. Fait à la bainerie, elle était 15$. Moi, je me disais, oh, c'est peut-être cher pour une banque. Je suis comme... M'en fous, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ok, voilà. Ensuite, on est allé dans un dépanneur qui vend plein d'affaires. Puis j'avais dit à mon chum, pour la fête des mères, j'aimerais savoir ça. Fait j'étais comme, tu sais, on pourrait aller chercher tout de suite là, mon cadeau de fête des mères. Il dit, ok, là. J'ai comme un peu forcé parce que sinon, il me l'aurait fait mon cadeau. Pareil, là, mais... J'étais un peu je vais y aller tout de suite. Le dimanche c'est trop long. Puis en plus, il m'a dit tu te feras une commande chez Rose Maternité. Puis je voulais me faire une commande chez Rose Maternité. Il dit tu feras ça. Là. Fait que il m'a acheté cette grosse bouteille là. Check ça comment qui est belle. Oh, je la trouve tellement belle. Fait que je vais la prendre seulement pour chez nous là. Ben j'en ai des plus petites que j'emmène mettons au bureau ou ailleurs. Mais celle-là, tu sais, je vais boire en masse, là, avec ça chez nous. Puis, tu sais, elle va garder le froid en masse. Puis, c'est la compagnie. Je vais vous dire la compagnie parce qu'il y avait vraiment des belles affaires. Bon. Ok, la compagnie, c'est ça. Vas-tu? C'est ça. Laver à la main seulement, pas mettre au lave-vaisselle, évidemment, mais de toute façon, j'ai pas de lave-vaisselle. Fait que j'ai bien hâte de la laver et de l'utiliser. Je l'aime trop. Trop belle, checker ça. J'en reviens pas. Fait qu'il m'a acheté ça. C'est quand même, ouais, c'est pas donné, là, c'est une 39$ à peu près. Mais, tu sais, voilà. J'ai pris ces tatous-là à mes enfants aussi. Et mon Dieu, l'éclairage. Je les trouve vraiment beaux. Des petits poissons. 3$. Fait que j'ai acheté ça. J'ai acheté ça à ma mère en Joe. Ben, en Joe. Elle va s'en servir, là. Mais mon chien était comme, t'es pas game. Je suis là, ben oui, je suis game d'acheter ça à ma mère, certain. J'ai même failli en prendre à ma grand-mère, tu sais. Fait que j'ai pris des savons à ma mère que je vais mettre dans sa boîte surprise. Mais c'est des savons différents. Des savons différents. Je sais pas si j'ai le droit de montrer ça sur YouTube, mais je vais vous les montrer puis vous allez deviner c'est quoi. Je sais pas si je dis les mots, si je vais avoir le droit de mettre ma vidéo en ligne.
je sais pas comment ça fonctionne, vu que c'est rare que je vais parler d'affaires de même. Fait que j'ai pris un savon, comme ça, c'est un ensemble de savons avec un savon de même, là, vous devinez c'est quoi, et un savon de même. On va dire, voici. Avec les deux boules, hein? Fait qu'imaginez quand il va falloir qu'elle prenne du savon sur ça, là. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse? Ça va être coquin. Coquin rigolo. Fait que voilà. J'ai acheté ça à ma mère. Je vais mettre ça avec son cadeau. Fait que ça, je vais aller. Ah, puis mon chum, il faut aussi les ramener. Il y en a un qui c'est. Affaire, bah, poulet et fromage. Puis, il y en a pris un. Poulet épicé. Et fromage, ça a bien l'air. Voilà. C'est pour ça. C'est la mode des ramen, hein. Le monde, ça mange des ramen sans arrêt. Moi, j'aime les ramen bien cheap que t'achètes à 99 cents au Walmart, là. Ensuite, on est allé chez Dollarama. On s'est pris des cintres pour mettre à l'entrée. Parce qu'on a besoin de cintres à l'entrée. On a pris un petit doudou pour le bébé. Notre petit bébé qui va arriver. Je la trouvais vraiment belle. Fait que j'ai pris elle. Ensuite, j'ai pris de l'OxyClean vêtements blancs. Parce que je suis rendue avec une. Ma couverture, mon lit est rendue blanche. Fait que je veux qu'elle garde blanche. J'ai acheté cette poubelle-là à Clara. Elle m'en voulait une rose. Il n'y en avait pas. De là, après ma poubelle, ça allait bien. Puis j'étais curée. Tu sais, il faut autant que j'aille dans sa chambre pour acheter des affaires. Fait que j'en ai pris avec. Tu sais, comme ça. Moi, je pense que elle va l'aimer. Puis si elle l'aime pas, ben. Ça sera ça pareil. Puis. Ce soir, je m'en vais chercher une surprise à moi et les enfants, mais surtout à moi. C'est pas un chien. C'est pas un chien. Le dernier chien qu'on a eu nous a fait vraiment réaliser qu'on n'en veut pas avant plusieurs années. Un chien. C'est quand les enfants vont être plus grands, ils vont pouvoir nous aider. Qu'on va avoir autre chose à faire que juste s'occuper de jeunes enfants. Là, probablement qu'on va avoir un chien, puis qu'on va avoir une maison aussi. Mais là, c'est fini. Les chiens, c'est fini. Mais j'ai un amour, un grand amour pour... Je vais vous le dire, mais je vais vous le montrer dans le prochain vlog. J'ai un grand amour pour les chats et les chiens. Avant, j'aimais mieux les chiens que les chats. Maintenant, j'aime mieux les chats que les chiens. Fait que j'ai réfléchi pendant plusieurs jours. J'ai parlé avec mon chum. Et on a décidé d'aller chercher un petit minou. Un petit minou. Mon chat, il s'en vient vieux, il est quasiment à 10 ans. Puis le petit minou, je le trouvais trop beau. Puis c'est une des amies de la famille, dans le fond, qui l'avait. Fait que je vais aller le chercher ce soir et on va l'essayer durant la fin de semaine, voir si ça fonctionne avec les enfants, si ça fonctionne avec mon chat, parce que je veux pas que mon vieux chat puis que le bébé chat soit malheureux s'ils sont ensemble. Fait que je vais aller le chercher tantôt. Fait que je suis excitée. C'est un beau petit chat, un beau petit chaton noir, puis il a les yeux comme bleus. J'ai tout le temps dit que je voulais un chat blanc, mais sincèrement, quand je l'ai vu, mon chat, il est noir. Mon vieux chat, il est noir avec du blanc un peu. Je l'adore. Là. Je l'aime assez, mon chat. Des fois, il me gosse. Là. Des fois, je suis comme, ah, oh, j'ai-tu hâte, là, depuis qu'il soit plus là, là. Mais, tu sais, je dis juste ça parce que, c'est ça. Des fois, on dit bien des affaires. Mais, là, il est noir. Noir, noir, noir. Tout noir avec des petits yeux bleus. Fait que je vais aller l'essayer. On va l'essayer en fin de semaine, voir si ça fonctionne. Sinon, je vais aller le ramener... chez l'ami de la famille qui l'a en ce moment. Fait que tout ça pour dire que... Fait que vous allez le voir dans le vlog de jeudi. Je suis allée chercher une petite doudou comme ça pour que... Tu sais, je vais aller le chercher tantôt. Fait qu'on va pouvoir l'abrier dans cette belle doudou.
Fait que voilà. C'est ça. Une autre affaire. Ça allait faire comme elle, là, pis ses idées, là, mais. C'est ça. Voilà. On l'essaie pendant plusieurs jours. Ça fonctionne pas, tu sais, je l'ai dit. Ça fonctionne pas, on va le ramener. Ça fonctionne, ben, on le garde pour la vie, là. Tu sais, c'est un chat. Voilà. Bon. Ça va être une très longue vidéo, là. Et là, je vais vous montrer mon épicerie. Mais je vais ramasser le reste avant. Et après, je vais manger mon épicerie. Je reviens. Oh, fait qu'on est rendu à l'épicerie. Qu'est-ce que je mange? Ok. Montre le premier sac. Le prix des pains hot dog. Puis ceux-là, c'est vraiment mes préférés. C'est les pains. En tout cas, ceux-là, là, vous voyez, c'est pas eux autres avec une craque dans le milieu. Là. Je les trouve vraiment meilleurs. Ils sont comme plus sucrés. Ils sont meilleurs. J'ai pris ça aussi pour faire. Je vais faire avec ça un petit mélange de fraises pis tout avec la crème fouettée. Ça va être excellent. J'ai pris ces beignes-là. Mes enfants les adorent. Puis ce soir, j'avais promis une petite soirée cinéma s'ils étaient gentils. Fait que je vais probablement leur mettre ça dans leur petit bol. J'ai pris ces beignes-là aussi. Ça fait fureur chez nous. J'ai pris ça ici. Très, très bon. Tu sais, vous allez voir, là, mon épicerie, là, on avait faim, hein. J'ai pris ces pitas-là. Ben, ces nanes-là. Fait que ce soir, on se fait des petites pizzas. Donc, tu vois, je voulais essayer ça. Des wraps à herbes italiennes, là, pour se faire des pizzas, là. Mais moi, j'aime mieux ça plus épais quand tu fais des pizzas. Fait que des pâtes arabes, j'aime moins ça. On a pris du glaze. C'est ce mélange-là que je vais faire dans le fond avec mes petits gâteaux. Mon Dieu, j'ai comme des petits reflux. J'en suis désolée. J'ai pris du flocon de jambon. Je mets ça dans ma salade de pancaroni. C'est très bon. La sauce à pizza. Moi, je prends la bain et chipette. Là. Du jus. Ça passe par chez nous. Ensuite, j'ai pris des fèves vertes, du piment, oups, j'ai écrasé mes gâteaux, des bananes, ça là, faire un lait frappé là, avec des fraises, du lait au chocolat et de la crème de la savanille. J'ai pris de l'ananas, moi je suis allergique, ben je crois que je suis allergique parce que ça va me piquer dans la bouche. Mais les enfants adorent ça. Fait que, voilà. Bon, des pommes. J'ai pris plein de fraises. Du cantaloupe. Je vais pas le sortir. Je vais sortir avec cantaloupe. Ensuite. Des bleuets. Mais j'ai pris des brosses à dents. Des dents spéciales. Moi, je prends ceux-là, là. Puis j'en ai pris des roses parce que la dernière fois j'avais. Mon chum il avait une bleue foncée, moi j'avais une bleue comme plus claire. Puis il m'a avoué que à un moment donné, c'est trompé de brosse à dents. Puis il a pris la mienne, puis il l'a juste remis là comme si rien n'était. Ça m'écœure. Ça veut dire que. Puis il m'a dit, ça fait comme à peu près un mois de tout ça. Je suis comme, ah, je me suis brossée les dents chaque jour avec la brosse à dents que tu as utilisée. Genre, non. Non, je peux pas concevoir ça. Genre, c'est très intime une brosse à dents pour moi. Très, très, très intime. Un concombre. Puis, hey, ça a été le premier que j'ai pris. J'étais comme, oh yes, c'est de la bonne grosseur. Plusieurs fois, j'ai dit ça dans mes vlogs, mais moi, il y a une certaine grosseur que j'aime. Le concombre. De concombre. Parce que des trop petits, c'est j'aime pas ça. Des trop gros, ben, j'aime pas ça non plus. Fait, voilà. Ça sonne vraiment bizarre ce que j'ai dit. Encore des bleuets. De la laitue. Oh, du char à la laitue. Hein. Oignon vert. Comment ça s'appelle? Des tomates cerises. Tomates cerises. Des raisins. Bien durs. Parce que moi, j'aime pas ça, mou. Tu sais, tu croques dans un raisin que c'est mou, là.
Encore du jus. Encore du jus, encore du jus. Les pâtes d'ours. Des pâtes d'ours encore. Il est en rabais. Un sac de bonbons. Fait que moi, j'aime énormément les baleines, les réglisses. Les grenouilles, les petites cerises. Le reste, les enfants vont les manger. Bon, mon chat s'est pris les pistaches. C'est cher, les pistaches. Encore du jus, encore du jus. Bon, le jus, je vais le mettre là, là. Bon. Ensuite, inquiétez-vous pas, là. Je vais faire que c'est fini. Ça sauf tout que je range ça, là. Non. J'ai lancé le truc de tomate. Regardez. Il a tout envolé partout. C'est craché de la vie. Bon. Ok, je vais tasser le savon. Le savon, là. Bon. Fait que ça. Je vais tasser ça. J'ai plus de place. Ok, j'ai fait de la place. J'ai pris dans le congelé, ben congelé froid, là. Un petit poulet, des petites layers de poulet comme ça, déjà assaisonné, c'est bon. Du fromage. Moi, j'aime pas ça, du fromage avec du jaune dedans. J'ai dit à mon chum, prends pas ça, il dit, tu prendras l'autre qu'à la maison. Mais j'aime pas ça du fromage jaune. J'aime pas le fromage. Imaginez le fromage jaune. Ça. Ça va être tellement bon à soir. Les croissants sont vraiment bons super simple. C'est pas cher. C'est. Quoi? C'est 12 croissants pour 7 piastres. Que tu fais cuire. Puis c'est vraiment bon. Alors, on a pris ce poulet-là. Je sais pas si ça va être bon. Plein de yop. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle affaire. Ce yop-là. Je sais pas si ça va être bon. C'est gâteau de fête. Puis, je suis une fanatique de yop depuis que je suis enceinte. Fait que ici, il faut vraiment pas manquer parce que sinon, moi, je braille. Les enfants braillent. Tout le monde braille. On braille en harmonie. Ok, là c'est le dernier sac, inquiétez-vous pas là. Moi j'aime ça écouter des vidéos longues d'achat. Ça prouve juste que l'autre personne s'est ruinée. Au final. Ouais, ça m'a coûté cher. Je penserai pas trop. J'ai pris ça, c'est en rabais au Super C. La viande a fondu. J'ai pris de la guacamole, je sais pas pourquoi. Je me suis rien pris pour manger avec. Mais bon. Des frites congelées, un grand dépanneur, du jambonne, du pepperoni, du bacon, du fromage, des petits poulets comme ça, en boule. Là. Les enfants, ils préfèrent ça. Fait que avec des frites, hein, c'est un repas dépendant. La crème fouettée pour aller avec mes petits gâteaux. Puis les enfants, ben, ils mettent ça partout. Ils aiment assez ça, la crème fouettée. Bon, mon chef s'est pris des saucisses à n'en plus finir, là. Fait que je vais en sortir un peu. Puis je vais congeler le reste. Parce que là, ça n'a pas de sens. On a pris ça. C'est bon, ça aussi. Il est en rabais. Devriez voir la pile. Des petits cornets rouleaux, comme ça. Puis, des petits drumsticks, comme ça. Je pense que c'est une édition limitée. Spéciale édition. C'est ça, c'est ça la coche. Fait que peut-être ça va me coûter moins cher à la crèmerie. En arrière de la crème glacée. Rollo, non caramel. Parce que habituellement de la crème glacée dure, j'aime beaucoup moins ça que de la crème glacée molle. Mais là, ça a comme un plus, tu sais.
C'est pas juste à la vanille, c'est pas juste au chocolat. J'aime même pas ça avec la crème glacée au chocolat. Mais tu sais, c'est pas une crème glacée plate. Fait que je me dis peut-être que ça coûtait moins cher à la crèmerie. Puis ça, c'est sûr que c'est bon. Je vous tiendrai au courant. Si ça va coûter moins cher à la crèmerie dans la prochaine semaine. Fait que voilà, ce sont mes achats. Ça a coûté cher. Je sais pas combien ça a coûté exactement. Aucune idée. Mais ça a coûté cher. Mais, oh, c'était sucrète ça. Mais j'ai des cadeaux là-dedans, j'ai du linge pour les enfants, j'ai des épiceries qui ça va quand même durer assez longtemps. Fait que, ça va bien aller. On est en business. Fait que voilà, je vais ranger ça. Et, après ça, je vais peut-être manger un petit cornet, un petit drumstick. Puis après ça, ça va être quasiment déjà l'heure d'aller chercher les enfants, après ça d'aller chercher le petit chat, d'en venir à la maison, faire souper. Mon chum travaille cette nuit, fait que faut qu'on mange assez de bonne heure. Ben, assez de bonne heure. 5h30 maximum pour manger, le temps qu'on mange en famille et tout. Après ça, ben, ce soir, ça va être soirée cinéma, probablement si les enfants sont gentils. S'ils sont pas gentils, ils vont aller se coucher de bonne heure. Même s'ils sont pas, même si c'est vendredi. Puis, c'est ça. Je vous laisse. On se revoit jeudi dans un... Là, ça va être un vlog. Là, ça va être un vlog, parce que je pense pas faire un autre vidéo d'achat, là. Ça m'a coûté cher, là. Ça m'a déjà coûté cher. Je suis bonne pour un petit bout, là. Mais là, je vais aller faire ma commande pour maternité, parce qu'il y a une promotion jusqu'à dimanche. Ah, vous allez voir ça lundi. Mais bref, il y avait une promotion jusqu'à dimanche. Estagette, dans le fond, pour 100$, tu auras une robe gratuite. Fait que je vais aller me commander ça. Fait que ça va être mon cadeau de la fête des mères que mon chum m'offre. J'étais comme, s'il vous plaît, je peux-tu faire ça pour la fête des mères? T'es même pas obligée de me faire de cadeau, genre. Je veux juste ma bouteille et faire ma commande chez Rose Maternité. Comme, t'es jamais capable d'attendre jusqu'à dimanche. Je suis comme, mais là, s'il vous plaît, là. Je suis têteuse. Moi, je suis têteuse. Si je veux quelque chose, là, je vais faire en sorte de l'avoir. Puis là, il a dit oui. Fait que je vais le faire. Je vais le faire. Ça, c'est la fête des pères. C'est la fête à mon chum. À la fin du mois. Il veut des livres. Genre, c'est manga, là. Mais Caroline, il lit pas. Ça me fait suer. J'achète des livres. Mais il lit pas. Ça sert à quoi? Fait que... Puis je trouve ça plate. Des livres, là. Moi, je suis pas une lectrice. Puis là, je trouve ça plate à faire. Comme achat. Puis à offrir. Je suis comme... Il n'y a aucun intérêt à avoir des livres. En tout cas, bref. Je vous laisse pour de vrai. On se revoit jeudi. Puis je vous souhaite une très belle semaine. Bye! Don't.